Bienvenue à ces rendez-vous de l'actualité qui sont un peu spéciaux puisqu'ils concluent la journée de l'IREMO pour ceux d'entre vous qui étaient là aux séances précédentes. Et nous avons un sujet un peu particulier parce qu'il il embrasse une histoire et une réalité très large, puisque nous allons revenir sur les révolutions arabes avec un grand R majuscule dont on a commémoré, j'allais dire célébré, c'était pas le bon mot, commémoré ou marqué le 10e anniversaire ces derniers mois à plusieurs occasions, aussi bien le suicide de Mohamed Bouazizi, la chute de Ben Ali, la chute de Moubarak. Bref, il y a eu un certain nombre de dates clés au cours des derniers mois. Et il nous a semblé intéressant de marquer aujourd'hui, peut-être de prendre un peu de recul et d'essayer de revenir sous un angle un peu particulier, qui est celui de la violence d'État, qui finalement a été un des marqueurs de cette décennie. Et qui permet peut-être de comprendre ce qui s'est passé, ce qui se passe encore aujourd'hui, et ce qui, c'est plus compliqué, ce qui se passera demain, mais on va essayer. L'occasion aussi de parler d'un numéro de la revue Araborama, donc publié par l'Institut du Monde Arabe, intitulé justement « Il était une fois les révolutions arabes ». C'est un numéro assez exceptionnel, je trouve. Enfin, il y a une richesse de contenu, y compris quand on lit beaucoup de choses sur le sujet. Il y a des angles d'approche, des histoires, un mélange de textes, d'analyses et de choses plus anecdotiques mais signifiantes qui permettent de traverser cette période. Ce qui m'amène à vous présenter nos invités, puisque Hind Medeb, qui est à mes côtés, a contribué à ce numéro. On en reparlera tout à l'heure. Hind, vous avez grandi entre la France, la Tunisie, le Maroc. Vous êtes devenu cinéaste. Vous avez un certain nombre de films à votre actif. Sur la révolution tunisienne, à travers l'angle de la musique, qui était, je pense, une manière d'aborder cette période qui était intéressante. Également sur les migrants à Paris, sur Stalingrad. Et puis le Soudan, on en parlera sûrement beaucoup pendant cette soirée, parce que vous avez passé beaucoup de temps à suivre la révolution soudanaise. Et donc, vous nous raconterez à la fois cette expérience personnelle, mais aussi évidemment cette expérience révolutionnaire, puisque c'est le mot. On reviendra dessus avec Jean-Paul Chagnolot, donc professeur émérite des universités, président de l'IREMO, qui est partenaire de ces rencontres de l'actualité le dernier jeudi de chaque mois. Vous êtes directeur de la revue Confluence Méditerranée. Vous avez publié un nombre d'ouvrages assez importants, que ce soit sur Israël-Palestine, sur violence et politique au Moyen-Orient, qui rentre dans le sujet dont nous allons parler. L'Atlas des Palestiniens, qui est aussi un ouvrage de référence important. Et l'invention tragique du Moyen-Orient, paru en 2017. Là encore, le titre est significatif. Je disais, vous avez contribué à ce numéro avec un entretien très intéressant, un échange avec une activiste soudanaise réfugiée en France, dont je cherche le nom, Mayada Adil, voilà, pardon, qui est un petit peu, à vous lire, un peu votre une sorte de fil conducteur qui vous a aidé à traverser cette période, à la comprendre, à rentrer aussi dans les spécificités du Soudan, aussi de la place des femmes dans cette révolution. Racontez-nous un petit peu cette rencontre avec le Soudan et avec Mayada. La rencontre avec le Soudan, elle s'est d'abord faite à Paris,
sur le tournage de mon précédent film Paris-Stalingrad, où j'ai, entre 2016 et 2018, été aux côtés des réfugiés qui arrivaient, qui étaient sur les campements dans le quartier de Stalingrad. Et parmi les gens qui arrivaient, il y avait beaucoup de Soudanais, et c'est ceux avec qui j'ai le plus... avec qui je me suis le plus liée d'amitié. Et le personnage principal de ce film, Paris-Stalingrad, est un rescapé du génocide au Darfour qui s'appelle Souleyman, qui est un jeune poète et qui avait 17 ans quand il est arrivé. Et en fait, quand la révolution a commencé au Soudan, on terminait le film, on le présentait au Festival Cinéma du Réel avec Souleyman, et on suivait tous les deux à distance ce qui était en train de se passer au Soudan. Et lui, il était très frustré de ne pas pouvoir partir et de ne pas pouvoir participer à cette révolution, parce qu'on ne savait pas du tout quelle allait en être l'issue. C'était beaucoup trop dangereux dans la région d'où il vient. Il avait mis 5 ans à arriver en Europe, en passant par des étapes terribles, mise en esclavage en Libye, dans les mines d'or, dans les prisons libyennes, de la torture, etc. Donc c'était inconcevable qu'il y retourne. Et je suis partie au Soudan pour ramener des images à cet ami, à Souleyman. Et en fait, au-delà de Souleyman, il y a toute une communauté, toute une diaspora soudanaise que j'ai rencontrée à Paris, des activistes politiques, des gens qui étaient vraiment des réfugiés politiques, et notamment un grand poète qui s'appelle Hassan Yassine et un autre qui s'appelle Monaim Rahma. Et je suis partie, et une fois que j'étais en fait déjà arrivée à Khartoum en pleine révolution, Hassan Yassine m'a donné les coordonnées de Mayada, qui elle venait d'arriver à Paris, et qui avait tous les contacts sur place, qui étaient extrêmement... c'était d'abord une activiste féministe, une artiste aussi. C'est une jeune femme qui a eu un parcours qui a 25 ans et qui a déjà eu plusieurs vies, parce qu'elle a été médecin. Elle est partie en zone de guerre au Soudan du Sud. Elle a beaucoup travaillé avec les femmes qui ont été victimes de viols et qui, malgré tout, restaient extrêmement dignes et qui continuaient... De faire des créations dans la manière dont elle s'habille, dont Mayada s'est inspirée, parce qu'après avoir été médecin, sa passion, ça avait toujours été le stylisme, et donc elle est allée plus vers la création de mode. Voilà, donc ce qui est étonnant avec Mayada, avec qui on discute dans ce livre, c'est qu'on s'est d'abord rencontrés au téléphone. Et il y a eu un coup de foudre amical juste par ces discussions, par WhatsApp, où c'est comme si elle était avec moi, à côté de moi, pendant que j'arrivais et que je découvrais le sit-in à Khartoum. Donc qu'est-ce que je découvre quand j'arrive à Khartoum à ce moment-là ? J'arrive au 40e jour d'occupation devant le ministère des Armées. Donc, en fait, les Soudanais ont vraiment en tête les autres révolutions. C'est ça qui est aussi intéressant avec cette révolution soudanaise, c'est qu'ils ont toujours dans leur mémoire ce qui s'est passé en Syrie, ce qui s'est passé chez leurs voisins égyptiens. Et pour eux, la révolution n'est pas achevée au moment où tombe le dictateur. Donc le 11 avril 2019, Omar el-Bashir, c'est la chute de Omar el-Bashir après 30 ans d'une dictature militaire et religieuse. Et les gens décident d'occuper toutes les rues qui sont autour de ce ministère des armées pour demander la chute, pas seulement du dictateur, mais de l'État profond, et le transfert du pouvoir aux civils, le transfert du pouvoir au peuple, et la fin... De l'intervention des militaires dans tout ce qui est politique, et aussi la fin de l'intervention des religieux dans ce qui est politique. Et en fait, ce qui était très impressionnant, c'est que c'était pas comme la place Tahrir en Égypte, c'était un quartier entier, une ville entière. En fait, c'était comme une cité révolutionnaire qui s'étendait sur plusieurs kilomètres carrés, avec des gens qui sont venus de tout le pays et qui ont planté des tentes pour représenter leur région, leurs associations, leurs collectifs citoyens, parfois même juste leur quartier, parce qu'il y a des quartiers qui se sont plus engagés que d'autres à Khartoum, comme Bourri, par exemple. Donc c'était impressionnant, parce que en fait, c'était comme une cité utopique du Soudan dont rêvent les Soudanais, et qu'ils voudraient de cet État qu'ils imaginent, donc cette possibilité de vivre ensemble dans un pays où effectivement la dictature a tenu en divisant les uns les autres, c'est-à-dire en créant des rivalités entre tribus, en créant des haines entre les différentes ethnies. Le Soudan, c'est 577 ethnies, 117 autres langues que l'arabe, et la dictature, elle a tenu en voulant imposer une seule religion, l'islam, et une seule langue, l'arabe. Et donc cette révolution, ce qui était impressionnant, c'est que ce qu'elle portait, c'était ce désir de vivre dans cette diversité. Et un des slogans, c'est
de cette révolution, Madani, hein, on pourrait le traduire par le pouvoir au civil, le pouvoir au peuple ou un État séculier. Presque quelque chose de la dimension de laïcité. Laïcité ne veut rien dire dans un pays comme le Soudan, mais en tout cas sur cette possibilité de vivre avec toutes les différences et la liberté de conscience. Vous racontez dans l'entretien, il y a un passage sur l'un des moments clés de cette période, c'est-à-dire le massacre de juin 2019 dans ce village que vous venez de décrire, et le fait qu'on vous a poussé à partir juste avant parce qu'il y avait une sorte de descente aux enfers qui s'annonçait. C'est un moment... dans les révolutions, il y a toujours un moment comme ça où ça peut basculer. Comment vous l'avez vécu, ce moment ? Alors, je l'ai vécu... D'abord, j'ai eu beaucoup de chance. Effectivement, oui, c'est aussi mon ami à Paris, qui est aussi cinéaste, qui suivait tout sur Twitter, tous les différents comptes sur ce qui se passait, parce que moi, j'étais complètement dedans, donc je ne me rendais pas compte. En fait, quand on était dans la cité révolutionnaire, on ne pouvait pas imaginer... le massacre qui a eu lieu le 3 juin 2019. Moi, je suis rentrée à Paris le 1er juin parce qu'en fait, le bureau d'Al Jazeera a été fermé. La journaliste qui était là, son matériel a été confisqué. Donc ça, c'était le 31 mai. Et aussi, il y a eu une attaque du sitting. Donc là, j'étais présente le 30 mai où déjà les miliciens ont attaqué. Il y a eu des morts. Des blessés, et donc on sentait cette tension qui était en train de monter, et le ministère de l'Intérieur a envoyé une lettre à tous les diplomates qui étaient présents pour leur demander de ne pas venir sur le sitting, pour leur dire que s'ils venaient sur le sitting, ils violaient leur neutralité diplomatique. Donc ces différents signes, analysés à distance par mon ami Joseph Paris, qui était à Paris, lui ont fait penser que je prenais un risque, c'est-à-dire que je risquais de perdre mes images, de me les faire confisquer. Donc déjà, je les ai données, j'ai donné une copie à un ami diplomate qui partait à Bruxelles le 30 mai, et puis moi, je suis partie le 1er juin. Et ce que j'ai ressenti, en fait, quand le 3 juin a eu lieu, c'est une très grande culpabilité d'avoir laissé tout le monde derrière moi, aussi une angoisse parce que tous les gens, il y avait beaucoup de gens que je connaissais qui étaient sur place. Et le choix de cette date du 3 juin, c'était le 29e jour du Ramadan, était extrêmement stratégique de la part des militaires, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'au sein des jeunes révolutionnaires, il y avait les enfants de la junte militaire. Et notamment dans ce livre « Soudan, année zéro » qui vient d'être publié, que vous pouvez trouver, que vous pourrez regarder en sortant, c'est un livre qui est publié par des chercheurs du CEDEJ, donc c'est à la fois des chercheurs français et soudanais. Il y a des photos de photographes soudanais, et parmi eux, il y a une photographe qui s'appelle Meche, et ces photographes vont être exposés aux rencontres d'Arles au mois de juillet. Il y a une très belle exposition qui s'intitule « Saora », sur la révolution soudanaise à l'église des Trinitaires à partir du 4 juillet jusqu'au 30 septembre à Arles. Et cette jeune photographe Meche, elle est la fille d'un des dignitaires militaires. Et le choix de cette date du 29e jour du Ramadan, c'est la veille de la fête, en fait. C'est la veille de la fin du Ramadan. Et donc, tous les gens qui viennent de bonne famille sont rentrés chez eux pour la fête. Et ceux qui sont restés, qui étaient là le 3 juin, principalement, c'était les gens qui venaient des autres régions, donc de régions beaucoup plus pauvres et beaucoup plus périphériques, parce que l'élite est à Khartoum, et aussi les enfants des rues, les SDF, tous les gens qui étaient très très pauvres, tous les gens qui quelque part n'avaient pas de famille et avaient trouvé une famille sur ce sitting. Alors il y a des exceptions, parce que le 3 juin ont été assassinés par exemple un étudiant qui s'appelle Matar, qui lui était venu de Londres pour participer à cette révolution et qui donc venait d'une classe très aisée, était étudiant dans une grande université à Londres et qui a été assassiné. Il y a quand même quelques figures de cette jeunesse issue de l'élite qui ont été tuées ce jour-là. Et donc après 57 jours d'occupation, par surprise, à 4-5 heures du matin, juste avant que le soleil ne se lève, des milliers de miliciens ont attaqué le sitting, et en quelques heures, ils ont tué des centaines de personnes. On ne connaît pas le nombre exact de victimes, parce qu'il y a beaucoup de disparus, et beaucoup de gens qui étaient là, qui étaient des gens qui vivent dans la rue, qui ne sont même pas comptabilisés, ou qui n'ont, enfin, dont on n'a pas le... Et ils ont jeté certains cadavres dans le Nil. Les cadavres sont remontés les jours qui ont suivi. Ils ont violé de manière aveugle des femmes, des enfants. C'était d'une violence extrême en quelques heures, et tout a été détruit.
Pour vous donner un exemple, les gens du sitting avaient créé une librairie partagée, donc, qui était en fait un lieu où tout le monde pouvait amener des livres et on pouvait consulter ces livres sur place. Et nuit et jour, il y avait des gens en train de lire. Et évidemment, cette librairie où il y avait plusieurs milliers de livres mis en commun par les révolutionnaires a été brûlée parmi toutes les choses qui ont été détruites ce jour-là. Mais ça n'a pas mis fin à la révolution. On en reviendra tout à l'heure sur la situation aujourd'hui au Soudan. Jean-Paul Chagnolleau, je disais, il y a une variété d'entrées dans ce livre assez remarquable. Il y a notamment des vignettes historiques. Moi, j'ai beaucoup aimé, par exemple, quelque chose qui est, je pense, totalement méconnu en France, mais qui a bercé ma jeunesse, qui était la guérilla du Dofar, donc au sultanat d'Oman, avec à l'époque l'intervention de l'armée iranienne, du Shah, qui était venu à la rescousse du sultanat d'Oman. Des moments d'histoire enfouis, mais qui marquent, qui sont des marqueurs comme ça dans l'histoire. Et puis il y a une partie très intéressante sur le lexique de la révolution, sur les mots, le système, la dignité, le peuple, etc. Et peut-être, si on peut s'arrêter sur un mot et qui peut être le point de départ de notre réflexion, qui est le mot révolution, quelle est la définition de la révolution ? Est-ce que nous avons assisté véritablement à des révolutions et est-ce que ça reste aujourd'hui un objectif dans la plupart des pays dont nous parlons? Oui, moi je crois que c'est effectivement un point qu'il faudrait approfondir et discuter. Je pense que, pour moi, lorsque je vois ce qui se passe là-bas, et vous avez terminé sur un massacre, ce qui se passe là-bas, pour moi, c'est à la fois beaucoup d'espérance, mais aussi énormément de souffrance. Et au terme de ces 10 années, les souffrances l'emportent largement. Et donc j'en parle avec beaucoup d'humilité. Mais c'est par rapport à ce qui se passe là-bas. Mais notre représentation de la révolution ici, et je dirais plutôt dans les milieux de gauche peut-être, je ne sais pas, je fréquente peu les milieux de droite, donc je ne sais pas, mais dans les milieux que je fréquente, c'est clair qu'on se fait une illusion sur la notion de révolution, parce qu'on ne veut pas la regarder en face, et on ne veut pas la regarder de manière critique. La première chose qui nous vient à l'esprit quand on parle de révolution, c'est que c'est synonyme de liberté, ce qui est une erreur historique monumentale. Si on prend les grandes révolutions que nous connaissons tous, aucune n'a débouché sur la liberté, mais surtout auparavant ne voulait de la liberté. On prend la révolution chinoise, la révolution castriste, la révolution bolchevique, la révolution, pour revenir à notre région, la révolution iranienne. C'était pas du tout dans le logiciel de Khomeini que de développer, déployer une liberté politique, religieuse. Bien au contraire, ils ont installé le système de vilayat faqih, c'est-à-dire la maîtrise du juriste consulte sur l'ensemble du système. Et le tout en l'espace de quelques semaines. Khomeini, il arrive en février, au mois de mars, c'est bouclé, il y a la Constitution. Donc, l'idée que la révolution accouche d'une liberté, ou va accoucher de liberté, est une erreur historique. Et on peut remonter à la française. Alors, la française, elle a accouché de la terreur, elle a accouché de je ne sais pas combien de régimes. Donc, il faut bien voir, qu'est-ce que c'est que ça ? Première remarque, si vous voulez. Donc, déjà, la déconstruire. Et la deuxième chose, pour aller très bref par rapport à notre discussion, c'est que nous sommes en présence ici de révolutions que je qualifierais de révolutions citoyennes, pour les distinguer des révolutions partisanes. La révolution partisane, c'est une révolution où vous avez un ensemble structuré, la plupart du temps et même presque toujours avec un leader, qui pense la révolution, qui la prépare et qui ne se contente pas de la chute du régime, qui est juste une étape, mais qui entend instaurer un nouveau régime. Si on prend encore la révolution iranienne, Khomeini, son dogme, c'était pas « je veux la chute du régime », c'était « je veux instaurer un régime islamiste ». Et on pourrait faire le tour comme mais, ça. Mais il n'était pas seul, Khomeini. Ce qu'on oublie, c'est qu'il y avait des gens qui voulaient cette liberté. Il y avait tout un mouvement de gauche qui a été écrasé par exactement. Khomeini. Il a tué exactement. Tous ses adversaires politiques, en fait. Et il les a assassinés. Et ce que vous dites, c'est vrai dans toutes les autres révolutions. Les révolutions donc, que j'ai évoquées brièvement, c'était des fronts
les sandinistes aussi, et la force dominante... Qui ont dévoré leurs enfants. Ils ont été écrasés. On pourrait prendre la révolution algérienne, qui est un peu différente, mais l'armée a écrasé. Donc on a toujours ce même schéma. Donc ce que je veux dire, c'est que on est dans... Là, ce que je voulais dire, c'est que les révolutions partisanes sont celles qui sont structurées, organisées, avec un leader et une pensée idéologique. Nous sommes dans le monde arabe, systématiquement, dans toutes, on n'est pas dans des révolutions partisanes, on est dans des révolutions que je qualifierais, non pas démocratiques, comme disent certains de mes camarades, mais camarades, à droite, mais plutôt, ce sont des révolutions citoyennes, c'est-à-dire qu'à un moment donné, des gens se lèvent et se battent, mais sans aucune espèce de structuration, sans aucun projet politique. Et ce qui est tout à fait fascinant, au Caire ou ailleurs, à l'exception peut-être du Soudan et à coup sûr de la Tunisie, c'est qu'on défile, on y reviendra, on défile tous ensemble, hein, c'est ça la formule, hein, et en même temps, on est profondément différents. Et à un moment donné, quand il s'agit de savoir ce qu'on va construire, c'est la dislocation, complètement. Donc on est dans cette espèce de schéma où on sait qu'on veut la chute du régime, mais au-delà, on ne sait pas. Donc ces révolutions citoyennes sont fondamentalement fragiles. Elles ont des forces extraordinaires en termes de rupture, en termes d'imaginaire, ce bouquin en est la preuve, en termes de, comment dirais-je, d'imaginaire culturel aussi. Il se passe beaucoup de choses. Ce sont des ruptures. Mais fondamentalement, sur le plan du système sociopolitique, il n'y a pas de pensée, il n'y a pas de construction. Et le résultat, c'est qu'on y reviendra tout à l'heure, la violence d'État écrase d'autant plus facilement qu'il n'y a pas en face cet élément. Puis juste un dernier mot sur révolution. Je dirais que ces révolutions dont nous parlons, les révolutions citoyennes, différentes de ce que j'appelle les révolutions partisanes, pour moi, c'est d'abord des révoltes, au départ. C'est d'abord des révoltes, c'est-à-dire des gens qui s'indignent. Si on prend la Syrie, ça se passe à Dera, au tout début. Ce sont des adolescents qui balancent des graffitis, etc. Ils sont arrêtés, ils sont torturés. Et il y a une indignation énorme, évidemment, c'est tellement scandaleux. Et c'est pour moi une révolte. Et la révolte, elle se fait, à un moment donné, révolution. Donc il y a une espèce de dialectique révolte-révolution, mais en même temps, elle reste dans cette fragilité. Puis un dernier mot, je pense que plutôt que de parler, je reviens à ce que j'évoquais tout à l'heure, de liberté, ce qui est une illusion, malheureusement, hein, c'est qu'une révolution cherche d'abord, surtout si elle est partisane, à dégager, non pas le pouvoir en place, mais la légitimité de ce pouvoir au profit d'une autre légitimité. Je prends encore l'exemple iranien qu'on a oublié, mais il voulait dégager cette légitimité du Shah pour imposer une légitimité islamiste. Et là-dessus, puisque je parlais de la gauche tout à l'heure, j'ai relu... récemment, ce que disaient les journaux de gauche en 1979, ce que Sartre ou Foucault disaient, c'était extraordinaire. Ils disaient, voilà, c'est la liberté. Le jour même, en février, au moment de la Révolution, il était enthousiaste, Sartre. Et Sartre, il était le patron du comité de libération des prisonniers iraniens. Donc pour lui, évidemment, la logique, c'était la liberté. Sauf que deux mois plus tard, on s'apercevait que c'était un peu différent. Donc je crois qu'il faut vraiment qu'on accepte l'idée de déconstruire cette notion, la regarder en face, quoi. La question de la violence, elle est très complexe dans cette histoire, parce que tous ces mouvements de révolte, pour reprendre votre mot, sont pacifiques. Il n'y en a pas un seul qui démarre, il n'y a pas de lutte armée qui aboutit, il n'y a pas pas d'avant-garde organisée dans aucune des situations dont nous parlons, et qui se heurte à, dans certains cas, à une réaction violente qui ensuite provoque la Syrie, le Yémen, la Libye, pour reprendre les trois pays où il y a eu des vraies guerres avec des armes des deux côtés. Mais ailleurs, on voit qu'il n'y a pas eu cette violence. Je prends le cas de l'Algérie qui est très intéressant, puisque ça continue d'une certaine manière, c'est venu plus tard et ça, sous d'autres formes, et ça continue. Mais l'armée n'a jamais tiré sur la foule. Il y a une répression sous d'autres formes. Il y a des activistes en prison, des gens condamnés, etc. Mais il n'y a pas eu de massacre au sens qu'on a pu voir ailleurs. La foule, les manifestants, ont compris que s'ils devenaient violents, ils étaient foutus. C'était leur arrêt de mort. Et là, il y a une intelligence collective qui est assez exceptionnelle dans
ce rapport à la violence. Là, on est, il y a deux dimensions. Si on reste sur l'idée que ce sont des révoltes ou des révolutions citoyennes, elles n'ont pas en amont pensé la violence, alors que toutes les autres, les révolutions partisanes, ont pensé tous les moyens possibles, et donc y compris la violence. Et donc, dans les révolutions partisanes que j'évoquais, si je prends Castro, par exemple, qui est une révolution socialiste, il savait ce qu'il voulait faire en termes géopolitiques et sociopolitiques, mais il est bien clair qu'il a utilisé les armes, quoi. Donc il y avait une organisation, une structure. Dans ces révolutions, révoltes citoyennes, on n'est pas du tout dans cette logique-là. Et même si on y était, on ne peut pas. Il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas de structuration. On ne sait pas ce que c'est que se servir d'une arme. Des vrais révolutionnaires, si j'ose dire, ils envisagent tous les scénarios, y compris celui du recours aux armes. Ça, c'est un premier point. Puis il y a un deuxième point, c'est clair, quand vous citez l'Algérie, ou on pourrait citer le Liban, vous dites l'armée n'a pas tiré, c'est vrai, mais elle a tiré en octobre 1988. Et dans les années 90, vous savez ça comme moi, que ça a été une tragédie absolue. Donc on a une mémoire si terrible de ce qui s'est passé qu'on sait que basculer dans la violence nous conduit à quelque chose de... Et le Liban a connu la guerre civile. C'est ça, voilà. Donc on a cette espèce de... D'abord, un, on n'a pas d'armes et on ne peut pas s'en servir et on n'a pas pensé cette question. Et deuxièmement, dans certains pays, c'est tout à fait exclu de... Bon, ça, je crois que c'est fondamental en Algérie. J'ajouterais un troisième point, c'est que nous sommes, nous... Vu de Paris, j'insiste là-dessus, on a des représentations vues d'ici. Mais moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est que la presse, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va là où il y a effectivement une répression collective, et encore pas toujours. Mais enfin, on est attiré par un événement très fort. Mais quand la répression se fait, et elle se fait toujours, de manière discrète et individualisée, on va chercher les gens un par un, c'est une sorte de chasse à l'homme, discrète, nocturne souvent, où on prend les gens et ils disparaissent, où ils sont enfermés pour des temps absolument indéfinis. On a de la répression et on pense qu'il n'y en a pas. C'est pas vrai, en Algérie, il y en a beaucoup. Et à un moment donné, il se passe quelque chose, c'est la crainte, la peur de se retrouver seul, car on est seul. Et d'être arrêté à tout instant. Enfin, et un des résultats, on y reviendra peut-être aussi, c'est que beaucoup des figures, car il n'y a pas de leader dans les révolutions citoyennes, alors que dans les révolutions partisanes, il y a toujours des leaders, ben c'est, s'il n'y a pas de leader, il y a au moins des figures. Et ces figures, elles sont immédiatement repérées. Et si on fait le bilan, dans ce bouquin d'ailleurs, vous avez le parcours d'un certain nombre de ces figures, et ces figures aujourd'hui sont en exil. Il vous raconte des choses terribles. Il y a un jeune Égyptien là, qui raconte, bon, qui était un des leaders de la révolution 2.0, qui est aujourd'hui, je crois, en Californie, qui a un compte Twitter et qui écrivait il y a quelque temps « Je vais sans doute me suicider ». Je veux dire que la répression la plus dure, c'est pas celle qui est dans l'espace public, qui est déjà terrible, surtout en Syrie, par exemple. Mais elle est encore plus terrible quand elle est au niveau individuel. Qu'est-ce qu'on fait ? C'est-à-dire que, là encore, on pense le collectif, on voit ça, et on oublie qu'en définitive, à un moment donné, le corps politique qui se construit dans la manifestation, dont vous avez parlé tout à l'heure, dans les manifestations, on est tous ensemble. Et à un moment donné, on rentre chez soi, très concrètement, et on est arrêté le lendemain matin ou en pleine nuit. Et ça change tout, ça. C'est quelque chose que je trouve fondamental. Et là, la violence d'État, elle est là à chaque instant. Et pour l'Algérie, moi, je suis très pessimiste parce que je pense qu'ils ont la capacité, justement, de les arrêter un par un jusqu'à ce que ça se taise ou, en tout cas, gagner du temps. Donc, voilà. Donc, tout ça pour dire que la révolution, il faut la regarder en face. Et quand on la regarde en face, c'est simplement la culture qui explose. Il y a tout ça, bien sûr, il y a tout ça. Mais il y a cette réalité pesante et cette souffrance que je trouve vraiment terrible. Il y a quelque chose, à mon sens, qui a beaucoup évolué entre 2011 et aujourd'hui. Et moi, c'est ce que j'ai pu observer au Soudan. Et je pense qu'il y a quelque chose de similaire qui se passe en Algérie. C'est que le projet des gens qui descendent dans la rue est extrêmement clair. Et effectivement, ce ne sont pas des révolutions partisanes. C'est-à-dire qu'il y a aussi un recul des islamistes qui étaient beaucoup sur le devant de la scène, en tout cas disons qu'ils étaient ceux qui étaient les plus organisés. En 1979 en Iran, moi je dirais que c'est aussi une révolution confisquée, et c'est quelque chose qui s'est passé à nouveau ensuite avec les frères musulmans en Égypte. Il y a une pluralité en fait de mouvements, une pluralité de visions, et il y a une vision qui va l'emporter sur une autre. Aujourd'hui, ce qui se passe au Soudan, et ce qui est certain, c'est que les gens ne veulent pas
d'une révolution partisane, et justement ils veulent tout sauf une révolution partisane, et ils ont pensé la question de la violence, c'est-à-dire qu'ils ont analysé ce qui s'est passé dans leur propre pays. Il y a eu des guérillas, les gens ont pris les armes, par exemple au Darfour, il y a l'armée de libération du Soudan du Sud, enfin ils se sont organisés avec les armes, ils ont voulu lutter contre la dictature avec les armes, mais ça n'a pas fonctionné parce qu'en phase 2 il y a un rouleau compresseur qui est par ailleurs financé aussi par l'Arabie Saoudite et les pays voisins qui utilisent le Soudan à la fois comme un pays qui est leur grenier en termes d'agriculture. Il y a beaucoup d'expropriations de terres qui en fait sont dans le sens de pouvoir ensuite nourrir les Saoudiens, et aussi c'est un lieu d'où les Saoudiens prennent des soldats qui vont ensuite combattre au Yémen. Donc oui. Le Soudan est coincé et les gens ont pensé cette question, et on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de leader ou de réflexion. C'est une révolution qui a été extrêmement bien organisée, notamment avec les syndicats, et c'est un pays qui en est à sa troisième révolution, qui a eu des périodes d'expérience démocratique entre 64 et 69, entre 85 et 89, avec des élections, avec un parlement, avec une constitution, avec des députés élus. Et les Soudanais ont en tête toutes ces expériences démocratiques. Et ce qu'ils veulent aujourd'hui, c'est la possibilité de vivre ensemble avec cette diversité. Et c'est un des pays où les richesses reviennent le moins aux citoyens de ce pays. L'ONU, chaque année, publie un rapport pour savoir en termes de corruption entre 0 et 100 qu'est-ce qui revient des richesses produites par le pays aux populations, et le Soudan c'est zéro. Donc c'est un des pires pays sur la planète. Donc c'est un pays qui produit de l'or, qui a une agriculture foisonnante, qui a été très longtemps d'ailleurs on parlait de grenier de l'Afrique à l'époque de la colonisation. Donc c'est un pays qui a énormément de ressources, avec aussi le pétrole au Soudan du Sud, d'où d'ailleurs la séparation entre le Nord et le Sud, et la précipitation de la chute de Omar el-Bashir est aussi due à la séparation entre le Nord et le Sud et la fin de cette manne pétrolière qui lui permettait de continuer à tenir l'économie sous perfusion pétrolière, ce que font aussi les généraux en Algérie pour faire taire les revendications et aussi créer une espèce d'économie de rente où il y a des gens qui vont être payés pour ne pas descendre dans la rue. C'est ce que font aussi les mollahs en Iran. Il y a à peu près 20% de la population qui vit de cette rente liée à cette redistribution par l'État islamiste pour faire taire et pour qu'ils aient une base qui les soutienne en fait. Mais ce qui est impressionnant, c'est l'évolution en fait des mentalités et la prise de conscience. C'est-à-dire qu'il y a une histoire en train de se faire, une histoire qui n'est pas simplement l'histoire nationale. Il y a une observation de ce qui se passe chez les voisins et une prise de conscience de toutes les différentes expériences accumulées. Et je pense qu'il y a une intelligence aussi du peuple. Maintenant, les gens sont coincés par des dictatures qui sont extrêmement puissantes, qui sont armées, qui travaillent aussi avec l'Occident, qui collaborent avec les pays voisins qui sont aussi très puissants. Donc l'actuel état profond soudanais est soutenu par Sisi en Égypte, par le roi je voulais rebondir parce que vous avez employé saoudien. C'est la deuxième fois que vous employez la formule état profond, qui est une formule qui vient de Turquie, comment ça se manifeste et comment le mouvement gère l'existence de cet état profond, si on peut le décrire, le caractériser, le circonscrire dans la transition, parce que une transition politique avec un état profond organisé, armé et qui a pas froid aux yeux n'a aucun espoir. Donc comment s'est gérée cette question, parce que je pense que c'est une question qui se reproduit dans pas mal de pays, quand on a vu ce qui s'est passé en Égypte, la manière dont l'armée finalement a repris le contrôle, etc. Je ne sais pas si c'est exactement ce qu'on appelle l'état profond, mais enfin, en tout cas, des fondamentaux de la structure du pouvoir. Oui, l'alliance entre les milieux d'affaires, enfin, l'argent, l'armée et puis les médias. Il y a un livre de Alaa Al-Aswani, J'ai couru vers le Nil, que je trouve vraiment excellent parce qu'il
parce que de l'intérieur et à travers des personnages qui sont inspirés de la réalité, il nous fait voir comment on déconstruit, comment on détruit une révolution. Et c'est terrible. Je ne sais pas si vous avez lu ce roman qui effectivement nous donne pas mal de clés et qui rejoint des choses que vous avez décrites dans votre intervention. Et donc, il n'y a pas de solution. On ne sait pas. Par exemple, au Soudan, ce qui se passe, c'est que les partis, ceux qui représentent le peuple, la société civile, qui sont les différents partis d'opposition, les syndicats, ont été obligés d'aller vers un compromis pour ne pas aller vers un bain de sang. Et ce compromis, c'est de pactiser avec le diable. Le diable, c'est Himiti et Borhan, qui sont deux généraux qui ont participé aux crimes de guerre et aux crimes contre l'humanité dans les différentes guerres civiles qu'il y a eu au Kordofan, dans la région du Nil Bleu et au Darfour, au Soudan, et qui ont d'ailleurs sont les commanditaires du massacre du 3 juin. Et on arrive deux mois après le massacre du 3 juin à un accord entre la société civile et les militaires, qui en fait est un accord entre les victimes et leurs propres bourreaux. Donc c'est quelque chose qui a été vécu comme une trahison au sein du peuple et au sein des révolutionnaires qui considèrent que les partis politiques les ont trahis. Parce que qu'est-ce qui s'est passé en fait après le massacre du 3 juin? C'est très impressionnant. Les gens, et c'est quelque chose auquel on ne s'attend pas, les militaires pensent qu'avec ce massacre, la révolution va s'arrêter. Et en réalité, les gens s'organisent dans les quartiers en comités de résistance et ils vont faire une énorme manifestation le 30 juin. C'est une date symbolique que les révolutionnaires choisissent parce que le 30 juin 1989, Omar el-Bashir a pris le pouvoir. Et donc le 30 juin 2019, 30 ans après, le peuple dit « nous reprenons le pouvoir » et ils descendent par millions dans tout le Soudan, dans toutes les grandes villes du Soudan, des centaines de milliers de manifestants qui descendent dans la rue alors qu'ils savent que l'armée va leur tirer dessus à balles réelles. Et c'est toutes les générations qui descendent. Donc c'est très très impressionnant, c'est une démonstration de force. Ce ne sont pas les partis politiques ni les syndicats qui ont organisé la révolution, enfin qui ont organisé cette manifestation. Ça vient d'en bas et d'un système d'organisation locale qui s'est essaimé un peu partout dans le pays. Et donc, fort de cette démonstration de force, les négociations vont reprendre. Alors, il y a toujours en fait des situations qui sont liées aussi à la situation économique et aux intérêts économiques. C'est-à-dire que le Soudan veut aussi sortir de l'isolement dans lequel il a été. C'est un pays qui était sur la liste des pays terroristes pendant toutes ces années, qui était isolé du reste du monde, où effectivement il y a un marché à conquérir. Donc les États-Unis, l'Europe soutiennent, et l'Union africaine soutiennent la sortie du Soudan parce que c'est un marché à prendre. Et donc cette révolution arrive à point nommé à un moment où peut-être on va pouvoir établir un État qui va ressembler un petit peu à l'Égypte, où on laissera les militaires continuer à diriger, mais où on pourra créer une forme de stabilité politique pour que puissent ouvrir des Starbucks, des McDonald's, etc. Et donc je pense que c'est aussi dans ce moment, il y a cette opportunité qui fait que la détermination des révolutionnaires arrive à un moment où il y a aussi un intérêt économique qui fait qu'on va les soutenir. Donc toutes ces choses-là sont à prendre en compte. Mais en tout cas, les peuples, et pour les avoir vus de l'intérieur et avoir passé énormément de temps avec les Algériens, avec les Tunisiens, les Égyptiens, les Soudanais, il y a la même chose qui se passait à Bagdad et à Beyrouth. Cette année 2019 a été assez impressionnante, et d'ailleurs au-delà du monde arabe, parce que c'est aussi au Chili, c'est aussi à Hong Kong, oui. C'est en Biélorussie, il y a un désir de liberté très très fort. Et tout simplement de créer des États où il y a la possibilité de vivre dans une société où on va pouvoir vivre normalement, où chacun va pouvoir circuler, dialoguer, où il peut y avoir une liberté d'expression. Voilà. Moi, enfin, c'est un débat, évidemment, mais je ne crois pas du tout. Alors, je vais passer pour le social-démocrate traître, mais je ne crois pas du tout à la notion de peuple. C'est une fiction. Dans la réalité concrète, sociologique des différents pays, il y a des contradictions sociales, il y a des contradictions communautaires, des contradictions tribales, je pense au Yémen. Et donc, je crois que parler des peuples, là encore, on se fait une idée qui, à mon sens, est une idée fausse. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le peuple, comme ici, comme partout... Mais regardez ici, regardez comment on vit nous ici. Ils veulent vivre comme nous ici. Je ne crois pas, justement. Je ne crois pas. Je pense que le rapport aux valeurs,
n'est pas le même. Je suis désolé, je ne crois pas à ça. Alors, j'ai fréquenté aussi tous ces pays depuis un certain temps, et j'ai toujours été surpris par le fait qu'à un moment donné, le rapport aux valeurs, le rapport à Dieu, pour prendre une référence importante dans ces pays, n'est pas le même. Et donc, à un moment donné, les différences, elles sont là, et ce n'est pas forcément la liberté dont on veut d'abord. Je crois qu'on plaque notre idée de la liberté, qu'on veuille vivre sans cette oppression, sans doute, mais ensuite, il y a d'autres éléments. D'abord, il y a des éléments économiques et sociaux qui me paraissent fondamentaux, et que si on propose à une société de vivre correctement sur le plan économique et social, je pense que déjà, ça sera un acquis formidable. Mais je pense pas qu'on puisse plaquer notre idée de la liberté, même si j'aimerais qu'on puisse le faire, mais je crois pas que ça se passe comme ça. Les élections en Égypte, elles ont donné la victoire, car là, il y a eu des élections libres et disputées, et où une participation était beaucoup plus importante que notre participation à nous ici en France pour les régionales, c'était les frères musulmans ont gagné, plus les salafistes, plus le parti Wafat. Donc à eux trois, ils ont représenté environ 70% des électeurs. Donc qu'est-ce que ça nous dit, ça? Quel est leur programme? Leur programme sur le plan économique, c'était un programme ultralibéral classique. Et sur le plan des libertés publiques, je demande à voir. Mais je ne pense pas du tout qu'on serait dans une démocratie pluraliste. Donc je pense que je ne prétends rien. Je dis simplement, n'allons pas trop vite en pensant que c'est ça. Je reste dans une... Moi, je dis que les choses entre 2011 et aujourd'hui ont évolué. Et que les gens ont aussi, ils ont énormément projeté sur les partis islamistes en pensant que ce seraient des partis qui ne seraient pas corrompus. Et quand ils ont été à l'épreuve du pouvoir, les gens ont vu comment les choses se passaient. Donc, dans un pays comme le Soudan, en tout cas, la question de la liberté, je vous assure que c'est la même valeur que celle que vous partagez. Les slogans sont très clairs. Je crois qu'il y a deux variables. La première, c'est que je pense qu'il ne faut surtout pas prendre un exemple, parce que là, je vais vous rejoindre en allant en Tunisie, c'est un pays qui m'est familier, et en Tunisie, c'est clair que là, nous sommes dans ces registres-là, pour des raisons historiques, pour plein de raisons, ne serait-ce que l'histoire de la Tunisie depuis 1956 avec Bourguiba. Je pense que là, on a effectivement un langage qui peut être commun. Mais ailleurs, c'est pas du tout sûr. Moi, j'aurais cette prudence de dire... C'est une hypothèse, c'est tout. Je pense que c'est pas ça, mais peut-être que oui. Mais en tout cas, je pense pas que ce soit la démarche de ces systèmes. L'Iran n'est pas simplement une révolution confisquée. Il y a eu une volonté de remettre la religion au cœur des choses. En tout cas, pendant les premières années. Aujourd'hui, évidemment, c'est tout à fait différent. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que les révolutions, alors partisanes ou autres, qui ont réussi, deviennent des révolutions incroyablement saoudite, c'est l'Iran. Eh bien, si je prends la Russie et l'Iran, au moins, ce sont deux pays qui ont connu des révolutions. Et qu'est-ce qui soutient, par exemple, aujourd'hui Maduro? C'est les castristes, c'est-à-dire une révolution. Donc il y a quand même des logiques qui sont contradictoires, enfin, du coup, par rapport à notre propre vision des choses. Et donc je reste extrêmement méfiant. Quant à l'évolution, alors on pourra en discuter des longues heures, mais entre l'évolution entre aujourd'hui et maintenant, entre 2011 et 2019, mais enfin, faisons le bilan pays par pays de la situation qui règne, c'est terrible. Et prenons simplement le chiffre des exilés. Il est considérable, considérable. Prenons la Syrie. Alors là, évidemment, c'est le drame absolu. C'est plusieurs, ça doit être 5 millions d'exilés et qui ne sont pas prêts de revenir parce que le pouvoir, on parlait de violence d'État, est en train de faire du nettoyage ethnique législatif, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'il prend toutes les mesures pour empêcher que... C'est 5 millions sur 23 millions quand même, c'est considérable, sans parler des déplacés. Si on va au Yémen, la situation est absolument terrible. Si on prend le Liban, alors là c'est 2019, mais combien, j'y étais il n'y a pas très longtemps encore, combien de gens qui étaient vraiment au cœur de tout cela, et pour le coup étaient sur le thème de la liberté, beaucoup d'entre eux en tout cas, ils sont à Paris aujourd'hui, ou ils sont au Canada,
ils partent, quoi. Donc, je veux dire, le bilan en ces 10 ans est aussi un bilan terrible, quoi, terrible. Et on pourrait continuer. Alors, et l'Irak, 2019, il faut bien voir, j'étais au Kurdistan il y a 18 mois, juste avant, mais au Kurdistan, les Kurdes ne se sentaient absolument pas concernés par ce qui se passait à Bagdad. Non seulement ils ne se sentaient pas concernés, mais en plus, les étudiants que je rencontrais ne parlaient pas l'arabe, c'est-à-dire que c'était vraiment un autre pays. Et la question des manifestations en Irak, c'était des manifestations qui ne pouvaient pas ne pas passer par des fractures communautaires, comme au Liban d'ailleurs. Donc on est dans ces situations où moi, il y a un désir de surmonter cette question communautaire. Sûr, on l'a vu bien sûr, à Beyrouth bien sûr, bien et sûr. Au Soudan, après 30 ans de dictature religieuse, je peux vous dire qu'ils vomissent bien, l'islam politique. Et tous les slogans que j'ai vus, c'était « au diable le pouvoir religieux », pour la liberté de conscience, enfin c'était très impressionnant. Et justement, il y a ce désir de vivre ensemble avec cette diversité parce qu'ils ont traversé toutes ces années de guerre civile. Je suis d'accord avec vous sur le Soudan et la Tunisie. Et je pense qu'aujourd'hui, si on faisait un référendum libre en Iran pour demander aux gens s'ils voulaient sortir de la République islamique, la majorité des gens voudraient sortir de cette République islamique. J'en suis convaincue. Ce que vous dites, c'est qu'effectivement, les gens sont séduits par ses pouvoirs, parce qu'ils sont extrêmement puissants. Je voudrais quand même revenir sur l'Égypte. Vous dites que c'était des élections démocratiques, bien sûr, mais il faut quand même rappeler que qui avait l'argent pour faire campagne ? Les frères musulmans avaient des financements qui venaient de l'étranger, et les autres, qui est arrivé au deuxième tour ? C'était Shafik et Morsi. Shafik, c'était le candidat de l'armée. Donc c'était celui qui avait toute la fortune des généraux derrière lui, et Morsi, c'est les frères musulmans, qui est une internationale qui est extrêmement bien organisée. Donc il faut avoir l'argent aussi pour faire campagne. Voyons ensuite, après plusieurs années au pouvoir, qu'est-ce que les gens vont penser ? Non, mais les choses évoluent. C'est très, très important de le dire. Question de la liberté, je crois vraiment qu'à Alger aujourd'hui, et à Khartoum, et à Beyrouth, la liberté, ils pensent à la même liberté que vous. Il n'y a pas de différence de valeur sur cette question. C'est très important de le dire. Ben moi, je crois que c'est pas du tout le cas, mais je pense aussi que, juste un mot, non mais c'est bien, et là ce qui est intéressant pour les personnes qui sont là, c'est qu'on a deux grilles, une grille qu'on va qualifier d'optimiste et qui pense que ça, puis une grille qui est un peu pessimiste, du social-démocrate traître, qui considère les choses avec un certain pessimisme. Et pourquoi est-ce qu'il y a ça ? Il y a peut-être aussi une question de génération, c'est-à-dire que moi j'ai vécu, et oui, j'ai vécu, alors je ne vais pas jouer au vieux con, parce que ce n'est même pas la peine de jouer, je suis un vieux con, voilà. Mais je veux dire, il y a un truc très concret, c'est que j'ai vu ces révolutions à d'autres moments. J'ai même accompagné au sens concret, pour les avoir rencontrés, c'était il y a 30 ans. Et j'ai les mêmes raisonnements que j'entends, et c'était formidable. Sauf que les gens qui ont aujourd'hui vécu ça, je les connais, d'ailleurs il y en avait un tout à l'heure dans la salle, il est encore là quelque part, eh bien il y a un truc qui est très important chez ces personnes-là, qui sont de ma génération, c'est qu'aujourd'hui, ils ont les épaules voûtées. Les épaules voûtées au sens physique du terme, comme si un peu la désespérance ou la souffrance qu'ils ont vécue se traduisait dans le corps. Il y a un film magnifique de Elia Suleiman, Le temps qu'il reste. Le temps qu'il reste, c'est un très beau film. Vous avez une anecdote de 2 minutes. On voit le père d'Elia Suleiman, parce qu'il est lui-même dans le film. On voit son père en 1948 à Nazareth. Il se bat contre l'armée israélienne qui conquiert. Et on voit ce type, jeune, formidable, débordant, puis on le revoit 10 ans plus tard, 20 ans plus tard. Et puis, à un moment donné, Elie Suleiman prend son père dans la voiture, l'emmène devant une pharmacie, et le plan est transversal, c'est-à-dire qu'on voit Elie Suleiman qui sort de la voiture, et on voit simplement la silhouette du père, qui avait donc 30 ans de plus, et on voit ses épaules comme ça, fatigué, et on ne le voit plus après dans le film. Autrement dit, ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe aujourd'hui, mais ce qui est intéressant aussi, de voir quel a été le destin et des valeurs et des révolutions d'il y a 30 ans. Ça donne un regard sur celle d'aujourd'hui qui, malheureusement, est un peu plus pessimiste. Alors, même si je ne... Ça, bien entendu, il y a des évolutions. M'amène à une question, c'est que, en fait, vous incarnez deux facettes de la même réalité, c'est-à-dire les épaules voûtées de ceux qui ont tenté et qui ont échoué,
et l'espoir de ceux qui tentent de nouveau. Et la vie, elle est dans ce cycle-là. Et ce qui m'amène à la question suivante, c'est après les premières années qui ont suivi les révolutions avec la Syrie, etc., tout le monde a été surpris de voir en 2019 une nouvelle vague. Le Soudan, l'Algérie, le Liban, l'Irak. Personne n'attendait véritablement ces nouveaux soulèvements qui empruntaient beaucoup aux précédents. Il n'y avait pas de leader, pas de structure d'avant-garde. Donc le même phénomène. Une volonté farouche de rester non-violent qui s'est heurté dans le cas de l'Irak, par exemple, à un vrai massacre, mais qui, finalement, au Liban, c'est le Covid et les pesanteurs libanaises qui en ont eu raison plus qu'autre chose. Et qu'est-ce qui va venir après? C'est-à-dire, aujourd'hui, on est dans cette phase où certaines révolutions sont encore... où certains processus de révolte, pour ne pas employer le mot révolution, sont encore en train d'essayer d'avancer, l'Algérie typiquement, le Liban dans un contexte terrible, le Soudan, nous en parlerai peut-être, ambigu, la Tunisie, qu'est-ce qui reste de 2011, de la chute de Ben Ali et de la constituante et de cette période. Voilà. Qu'est-ce qui va suivre? Est-ce qu'on est capable aujourd'hui d'anticiper? Personne, et surtout pas moi, n'est capable d'anticiper quoi que ce soit. Mais je crois que si on prend l'Irak, par exemple, si on s'inscrit dans l'histoire longue, l'Irak, ça se résume à une équation. Les Arabes, les sunnites ont toujours dominé les chiites jusqu'en 2003. Puis ensuite, globalement, les Arabes ont dominé les Kurdes dans des conditions parfois absolument effroyables. Par exemple, l'opération Anfal en 1988. Et donc, c'est un État qui, aujourd'hui encore, est désarticulé. Et donc, les enjeux sont différents. Même si on veut dépasser les communautés dans des endroits, encore qu'en Irak, ce n'est pas forcément ce qui me paraît le plus évident, on se heurte à ces pesanteurs historiques. Et donc, pour l'Irak, je suis assez pessimiste, justement, parce qu'au fond, qu'est-ce que veulent les Kurdes aujourd'hui ? Ce n'est pas se mêler de la révolution à Bagdad. Ce que veulent les Kurdes, c'est consolider leur indépendance. Il y a eu un référendum en 2017. Évidemment, ça n'a pas donné suite à la création d'un État, mais on voit bien la situation. Et puis, il y a un élément qui est considérable, c'est qu'aujourd'hui, puisque c'est quand même les fractions chiites, même si elles sont évidemment en opposition les unes aux autres, il ne faut pas essentialiser une communauté, elles sont aussi pleines de contradictions. Depuis 2003, il y a différents courants chiites, mais une bonne partie de ces courants chiites, comme vous le savez très bien, Pierre, elles sont manipulées par Téhéran. Les milices qui sont aujourd'hui en train de phagocyter l'État irakien rendent les choses terribles. Il y a eu d'excellents... l'analyse de cette répression, de cette violence d'État par des milices où on assassine un par un les principales figures. Je fais la distinction entre leader. Leader, c'est quelqu'un qui conduit. Et la figure, c'est celui qui accompagne, quelquefois de manière très forte. Mais ceux qui sont les figures en Irak... Bon, voilà, donc pour l'Irak, je crois que c'est comme pour le Liban. Le Liban, c'est encore une situation très, très contrastée. Vous le savez aussi mieux que moi. On veut sortir. Alors, les revendications au Liban, ça, pour le coup, c'est on voudrait un système beaucoup plus libéral. Là, on a un ancrage démocratique. Sauf que c'est un ancrage démocratique complètement conditionné par le confessionnalisme et le communautarisme dont on n'arrive pas à sortir. Et les revendications, c'est la citoyenneté. C'est une revendication de citoyenneté. Sauf que on se heurte à des murs invisibles en plus, parce que ce n'est pas un État, c'est un système beaucoup plus opaque. Et à un moment donné, la contradiction, on revendique la suppression du communautarisme, et quand ça va très très mal, comme chacun sait, on revient vers sa communauté. Et combien de gens j'ai vus qui se battent contre ça, et puis à un moment donné, soit ils partent quand ils en ont les moyens, et il y en a un certain nombre, soit ils retournent vers leur communauté. Et puis il y a derrière ça un rapport de force militaire, politique. Le Hezbollah est ultra puissant et peut faire et défaire les choses. Il est absolument incontournable. Et je crois en plus que, là encore, je parlais des images, des représentations. On se représente le Liban encore avec un temps de retard. Pendant des années, le Liban était maronite jusqu'à Taïef. Ensuite, il a été sunnite, ne serait-ce que par la Constitution.
depuis pas mal d'années, la dominante est chiite en termes de rapport de pouvoir et de rapport de force. Donc c'est comme ça. Et donc la révolte, elle est déjà, pas simplement par la Covid, mais elle est déjà atomisée par ces contradictions internes et par ce rapport de force considérable. Donc c'est pessimiste, hein, je suis d'accord. Et pour la Syrie, c'est absolument terrible. Et la Syrie, on a laissé faire. On a laissé faire. On aurait pu intervenir à un moment donné. Là, on pourrait parler des interventions extérieures. À un moment donné, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était au mois d'août 2013. Si Bachar utilise des armes chimiques contre sa population, Barack Obama... Les lignes rouges. Oui, et ça a été... Moi, j'ai suivi ça de près pour des raisons très particulières. Et les responsables français, le chef d'état-major, l'amiral Guillot, me racontait en détail que les avions français étaient prêts à décoller. Coup de téléphone de Washington, on arrête tout après que les Britanniques aient d'abord... Voilà, donc on connaît tout ça. Et par contre, nous sommes en août 2013... Qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait une asymétrie pas possible. Du coup, le pouvoir syrien savait qu'il pouvait aller faire ce qu'il voulait, tuer, pas avec des armes chimiques, encore qu'il en a gardé un certain nombre pour finalement tuer, aussi avec des armes chimiques. Et à partir de septembre 2015, la Russie qui écrase, mais qui écrase comme ils l'ont fait en Tchétchénie, je veux dire. Ça aussi, c'est une réalité, quoi. Et quelles auraient été les forces qui auraient pu... Ils étaient complètement divisés. C'est en ce sens que je parle de révolution citoyenne. C'était même le Conseil national syrien du tout début, en 2011, était ultra divisé entre les frères musulmans, les libéraux, les Kurdes, etc. Il était à Paris, ce comité au départ. C'est terrible, quoi. Enfin, pour répondre à ce que vous dites, parce que non, c'est pas la question du pessimisme et de l'optimisme. Vous parlez d'un point de vue qui est simplement voilà les faits, le fait politique, qu'est-ce qui se passe, etc. Le fait historique, c'est très important. Mais il y a la question des imaginaires et il y a la question aussi de l'irruption de ces jeunesses et on peut pas les balayer comme ça d'un revers de la main et dire que tout ça va être écrasé, tout ça a disparu. Non, ça existe. Et c'est d'une puissance et d'une force qui est extrêmement importante, qu'il faut continuer à soutenir, qu'il faut continuer à regarder. C'est pas la question juste de l'optimisme et du pessimisme. Moi, j'ai pas la naïveté de croire que les révolutions, c'est magnifique, elles vont toutes réussir, etc. C'est pas ça. C'est que ça reste dans les esprits, ce qui s'est passé à Tahrir en 2011, ce qui se passe en ce moment au Soudan et qui s'est passé, puisque c'est la troisième révolution au Soudan, c'est des choses qui restent inscrites dans les imaginaires des uns et des autres, avec lesquels les gens avancent. Et même s'il y a des défaites politiques, des échecs, etc., c'est d'une très grande puissance et il faut regarder aussi sur le temps long. Donc évidemment, ce sont des destinées qui sont brisées. Moi, autour de moi, la plupart des gens que j'ai rencontrés qui ont participé à la révolution égyptienne, comme vous dites, sont soit en exil, soit se sont suicidés, soit sont en prison. Donc oui, le bilan, il est extrêmement noir. Mais on ne peut pas juste s'arrêter à ça, parce que sinon, ça serait aussi, quelque part, soutenir ces dictateurs qui veulent ça, qui veulent la mort des imaginaires, qui veulent effacer... Je suis un social-démocrate traître. Le 3 juin 2019, qu'est-ce que voulait l'armée soudanaise? Ils voulaient effacer absolument les 57 jours d'occupation pendant lesquels a existé la possibilité de cet État, de cette cité utopique que les Soudanais souhaitaient et que les Soudanais continuent de souhaiter. Et en fait, ils voulaient que la musique s'arrête, qu'on n'entende plus ce qui avait pu se passer et qui était d'une puissance inouïe. Ce qui est intéressant dans ce que vous dites, et je partage complètement, c'est effectivement, il y a une c'est très générationnel aussi, il y a une identité culturelle, sociétale qui est apparue dans tous ces mouvements, la musique en est un des vecteurs et un des facteurs importants. Comment faire pour que ce que décrit Jean-Paul ne brise pas ça? Il n'y a pas de conflit générationnel. De génération en génération, les gens ont lutté. Les amis de mon père, la plupart, ont passé une grande partie de leur vie en prison en Tunisie. Au Soudan, les plus grands poètes que récite aujourd'hui la nouvelle génération, ce sont des poètes qui ont été en prison sous la dictature de Nimeri dans les années 70, sous la dictature ensuite d'Omar el-Bashir. Donc en fait,
Au contraire, c'est un flambeau qui se passe d'une génération à une autre, et l'explosion artistique dont vous parlez, qui a eu en 2011, elle ne sort pas de nulle part. Sheikh Imam, il y a des grands poètes et des grands chanteurs égyptiens qui ont passé la plus grande partie de leur vie en prison. C'était déjà dans les années 70-80, contre la dictature de Nasser, contre Sadat, contre Moubarak. Ils ont traversé les générations. Donc c'est aussi une histoire qu'on connaît peu, qu'on ne transmet pas, et qu'il faut absolument, moi je pense, pour les nouvelles générations, qu'il faut absolument enseigner. Je vais juste donner un autre exemple qui me semble être essentiel pour nous qui sommes français ici ce soir. Quand il y a eu l'assassinat de Samuel Paty, moi j'aurais voulu qu'on parle de Tahar Djaout, de tous les grands intellectuels algériens qui ont été assassinés dans les années 90 et qui de toutes leurs forces ont lutté contre les intégristes et contre les fondamentalistes. Et donc ils ont lutté en écrivant, en prenant position. Abdelkader Alula, qui est un très grand dramaturge algérien, et quand je pense à Tahar Djaout, il disait « si tu parles, tu meurs, si tu écris, tu meurs ». Quoi, alors par les morts. Donc, et il a été tué de 2 balles dans la tête par quelqu'un qui s'appelait El Afghani, qui avait été faire le djihad en Afghanistan, qui est revenu et qui était dans le maquis avec d'autres intégristes. Donc en fait, ces gens-là, ils existent et ils ont fait... Quand ça nous arrive à nous, ici en Europe, quand il y a des attentats ici, on est complètement, sous le choc. Et on se retourne contre les musulmans et on a l'impression, finalement, on identifie tous les musulmans comme étant des terroristes. Or, les premières victimes de ces attentats et de ce terrorisme sont les musulmans eux-mêmes, et ils ont lutté contre et ils ont été extrêmement nombreux à résister. Et je pense que ces figures-là qui existent et qui continuent d'exister, on doit faire vivre leur parole, la transmettre. C'est ce que je fais, moi, dans mes films. Et c'est pour ça que ce n'est pas la question de l'optimisme ou du pessimisme. Mais non, je crois simplement que ce qui me gêne dans ce qu'on entend souvent, c'est cette représentation de la révolution, cette représentation de la révolution qui n'en voit qu'un aspect. Qu'il faille se battre, continuer à essayer de tenir sur ces lignes-là, de soutenir tous ces mouvements, pour moi, c'est une évidence absolue, absolue. Il y a une très belle phrase de Camus qui dit, et Camus était extrêmement critique à l'égard des révolutions et de la révolte dans son bouquin « L'homme révolté », mais il dit « Je me révolte, donc nous sommes ». Et cette phrase, qui termine l'introduction du bouquin de Camus, « Je me révolte, donc nous sommes », elle est fondamentale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire beaucoup de choses, chacun l'interprète comme il veut. Mais ça veut dire que notre dignité, notre rapport au monde passe par une révolte. Je ne parle pas de la révolution, mais par une révolte, parce qu'elle est aussi métaphysique, elle est un rapport au monde, on ne va pas se laisser écraser par tout ça. Donc c'est fondamental. Donc mon analyse assez sombre, c'est juste une description aussi clinique que je peux, des rapports de force. Mais il est bien évident que, pour moi, la conclusion en dernière instance, c'est la phrase de Camus. C'est-à-dire, je me révolte, donc nous sommes. Car si on ne se révolte pas, on n'existe pas, on n'est rien, on est de la poussière, on est des soumis, on est des esclaves. Donc il n'est pas question de ça. Simplement, je crois qu'il faut vraiment... quand j'ai dit tout à l'heure, j'ai commencé avec un mot tout à l'heure, en disant humilité. Parce que j'ai vu, comme vous l'avez vu peut-être plus, encore plus, mais le nombre de gens dont les vies ont été brisées. Mais quand c'est le nombre, c'est en dizaines de millions de gens, si on pense au Yémen, en Syrie, en Irak aujourd'hui, probablement au Liban, etc. C'est terrifiant, c'est littéralement terrifiant. Et donc, quand j'entends une phrase comme « ça ne sera plus comme avant », moi, je me révolte quand j'entends ça, parce que c'est vrai que ça ne sera plus comme avant en termes de génération, parce qu'on va soutenir une idée et un jour, finalement, sans doute, cette idée s'imposera. Mais en même temps, ça ne sera plus jamais comme avant, mais pour beaucoup, c'est on a nos vies brisées, vies brisées. Ça veut dire ça aussi, ça veut dire les deux choses. Et c'est ça que je vois, moi, c'est cette espèce de douleur que je ressens par... de manière interposée, parce que et c'est pour ça que j'en parle avec humilité et avec retrait, en me disant, bon, c'est bien. C'est très facile, parfois, de partir, par exemple, sur... Tout à l'heure, on a fait des choses, et j'en suis un des responsables, puisqu'on est... Guillermo était dans le coup, mais on fait des choses dans la musique, dans la littérature, et c'est bien, et c'est vrai, c'est juste, mais attention, derrière, il y a des souffrances. Et l'image, c'est pas moi qui l'ai choisie, mais l'image qu'on a derrière nous, là,
je la trouve très emblématique d'une réalité terrible. Ce jeune garçon, torse nu, face à une réalité de violence d'État. Et je trouve que cette image-là, il faut la prendre telle qu'elle est. Maintenant, battons-nous pour qu'on casse ça, mais la réalité est aussi là. Une dernière question avant de passer aux questions de la salle. Un des phénomènes nouveaux, c'est aussi la place des femmes, l'irruption des femmes dans ces mouvements, et en particulier au Soudan, on a reproduit 100 000 fois la photo de cette figure iconique, comme on dit dans la presse. Qu'est-ce que ça signifie pour vous et qu'est-ce que ça change à l'équation ? Cette femme que vous citez, qui est montée sur le toit d'une voiture pour réciter un poème à Ala Salah, elle a récité un poème qui disait « Vous nous tuez au nom de la religion, vous nous brûlez au nom de la religion, vous nous emprisonnez au nom de la religion, mais la religion n'est pas fautive, la religion dit « Combattez les tyrans pour la liberté ». Voilà, et c'est un poème, un poème de, je crois, de Azam, je ne sais plus son nom. Bon, Mossam Khatoum, enfin, en tout cas, voilà, la poésie est au cœur de la révolution au Soudan, et aussi, effectivement, les femmes, parce qu'elles étaient dans une situation terrible sous le régime de Omar el-Bashir, qui était l'application stricte de la charia, l'interdiction de porter des pantalons, l'obligation de porter le hijab, éternel mineur dans le statut, donc sous la responsabilité du grand frère, du père, du mari, et puis une police des mœurs, la possibilité d'être fouettée en public. Voilà, c'était ça la réalité des Soudanaises sous le régime de Omar el-Bashir. Donc elles n'avaient absolument rien à perdre, et pour elles c'était extrêmement important d'être présentes. Elles étaient très souvent même à la tête des cortèges pour protéger le reste du cortège. Et il y a parmi elles certaines qui sont devenues célèbres pour ramasser les bombes lacrymogènes et les renvoyer sur les militaires. Malheureusement, au moment où il y a eu la constitution du gouvernement de transition, les femmes étaient très peu présentes dans les négociations, dans les accords de paix, sur la photo, en tout cas sur la scène politique, elles ont été beaucoup moins représentées que dans la réalité des manifestations. Et ce qui m'a frappée dans cette cité révolutionnaire à Khartoum, qui est quelque chose qui était très différent de ce que j'avais pu voir en Égypte, c'est qu'il n'y avait pas de harcèlement sexuel, que les femmes étaient très 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 représentées et très respectées, et qu'elles montaient sur scène pour les concerts, qu'elles participaient à l'organisation de cette cité révolutionnaire au même titre que les hommes. Et parmi elles, des figures ont émergé, comme une jeune femme qui s'appelle Shajan Suleiman, qui chaque jour venait avec un message qu'elle écrivait, un message littéraire, poétique, adressé aux révolutionnaires. Et d'ailleurs, elle va publier un livre et elle est devenue très célèbre à travers tout le Soudan. Voilà. Et donc, ce que je voulais simplement dire, c'est que la force des mots, des rêves, des imaginaires, il ne faut pas la sous-estimer, elle est là. Et même quand la révolution échoue et que la dictature revient, ça reste dans chacun des esprits et ça permet aux gens de continuer à vivre, même quand ils sont effectivement dans des situations où ils ne peuvent pas s'exprimer. Et les poètes étaient sur le devant de la scène au Soudan, sur plusieurs générations. C'est les poèmes de Azhari, de Homaid, de Mustafa Sid Ahmed, de Wardi, qui sont chantés, qui deviennent des slogans dans la révolution. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très très beau. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques de votre part après cet échange vif? Mais voilà, c'était, je pense, intéressant de pointer quelques différences d'approche et de contradictions. Pas de questions, pas de. Est-ce que je peux lire un petit poème bien sûr. C'est un poème de Azhari, qui est un poète soudanais qui était dans les processions, dans les manifestations. Et il revient sur le massacre du 3 juin et justement sur cette volonté des militaires de provoquer l'extinction des imaginaires. Blessures nocturnes, à vif, nuit du deuil, les rues sont le théâtre de nos blessures. Sur le sitting, ils étaient comme les jacinthes et le basilic.
leurs rêves comme des ailes de papillons, leurs âmes comme la brise des jardins, couchées sur les mains fatiguées du jardinier. Ils étaient beaux et courageux, s'accrochaient à la racine de la terre comme le ferait un acacia, quand les loups de toutes parts ont surgi, et avec eux tous les maux de la terre, les milices de l'ombre dans l'obscurité avant que ne se lève le soleil, une goutte de sang à l'aube, un cri poussé du haut du pont ferroviaire, un coup de poignard dans le dos pour que cesse la beauté, pour que meure la bonté et avec elle leur sourire. Un coup de poignard à l'heure de la prière en plein mois de Ramadan. Ô chemin de la liberté, amène-nous des chansons, c'est tout ce qu'il nous reste, des chansons comme des voies d'ascension. Nous sommes l'amour, nous avons monté les barricades, nous avons oublié de dormir. Le souvenir des rêves d'une ville vertueuse flotte encore, le Soudan de demain, l'imagination en marche, l'explosion des sens, les cloches des églises et les chants soufis, les dessins, les musiques et les enfants sur les balançoires, la voix des vendeurs ambulants et des bons poètes. Hommage aux martyrs qui ont tenu les barricades de toutes leurs forces, qui se sont accrochés au piquet des tentes. Le sit-in a été dispersé, mais son esprit coule dans nos veines et perdure dans nos maisons, et la révolution continue à chaque inspiration, à chaque expiration. Nous sommes le sit-in. Le sit-in, c'est cette fameuse cité révolutionnaire dont nous avons parlé. Qui est l'auteur ? C'est Azhari, Mohamed Ali Azhari, un grand poète soudanais, vivant, jeune, il a une soixantaine d'années maintenant. Et il est à Paris en ce moment. On l'avait invité à venir ce soir, mais il est à Paris parce que son fils a été torturé et que des suites de ses blessures, il y a eu beaucoup de complications et qu'il a réussi à le faire venir pour se faire opérer à Paris. Donc il est au chevet de son fils à l'hôpital. Et voilà. Donc j'avais envie de vous lire ce poème que j'ai traduit avec une très bonne traductrice soudanaise qui s'appelle Tibri Gismalla. Toujours pas de questions. Ah. Concernant l'intervention militaire massive contre la Syrie début septembre 2013, Monsieur Chanoulou, sait-il que cette opération devait être payée par des pays arabes qu'il avait proposés, comme l'a déclaré lui-même John Kerry dans une audition du 3 et 4 septembre. Pas de commentaire. Pas de commentaire. Non. Écoutez l'audition du 3 et 4 septembre par John Kerry. Au Sénat et à la Chambre des communes. Pierre, juste une remarque. Je ne réponds pas à cette question parce que je n'ai que faire des argumentaires complotistes. Je ne suis pas complotiste. Bon, s'il vous plaît, on va. Oh, c'est pas tout à fait le sujet. Madame. Il y avait une question de madame, je crois, non ? Comme Bajolet, comme Hollande, vous êtes un serviteur de Hollande, de la Doxa, monsieur Chagnonneau. C'est une honte. S'il vous plaît. Ce qui prouve que j'avais pas tout à fait tort de ne pas vous répondre. Tout à fait. Vous n'avez jamais donné la parole à Ni Raymond sur ce sujet-là. Conforter la doxa, les erreurs. S'il vous plaît. Après celle de Sarkozy. S'il vous plaît. Même Macron a eu le courage, monsieur Macron a eu le courage de dire ce qu'ont fait les prédécesseurs en Syrie n'était pas très malin. Bon. Ça veut dire qu'il sait. On va peut-être en rester là, merci. Pardon. Allez-y. Allez-y, madame. Oui, moi, je voudrais poser une question à M. Chagnolo. Je voudrais lui demander s'il pourrait revenir sur la situation au Liban.
parce qu'on a bien compris que le Covid, la crise financière, l'explosion dans le port avaient porté un coup assez rude au mouvement populaire, mais il n'y a pas quand même au Liban actuellement, me semble-t-il, les mêmes pesanteurs que dans d'autres pays de la région, donc j'aimerais savoir si exceptionnellement on pourrait être optimiste sur les possibilités pour le mouvement de reprendre au Liban, ou bien est-ce que véritablement il y a eu un moment et puis c'est terminé. Selon... Je crois que pour le Liban, les conditions sociales, politiques et géopolitiques sont telles que je ne crois pas un instant, malheureusement, que, en tout cas dans un avenir prévisible, ce mouvement puisse déboucher. Les forces qu'il... Et là, pour le coup, il y a des organisations de la société civile, j'ai horreur de ce terme parce que ça ne veut rien dire, en tout cas un certain nombre de partis, d'associations, c'est plus concret, qui sont pour l'idée d'un Liban qui soit un Liban civil, sont eux-mêmes ou elles-mêmes en pleine contradiction. On a eu des débats il n'y a pas si longtemps avec eux et ils ne sont pas capables, sur ce plan-là, de se mettre d'accord. Et en face d'eux, ils ont un système qui est absolument hyper puissant et capable de les... C'est une force d'inertie considérable, ce système. Et en plus, les Libanais sont prisonniers de quelque chose dont ils veulent s'exfiltrer depuis des décennies. Ce n'est pas nouveau. Là encore, on parle de générations. Mais le communautarisme, si vous relisez Taïef, ce qui s'est passé à Taïef, c'est-à-dire en 1989... il y a 30 ans, on est très clairement dans la fin du communautarisme. C'est même inscrit dans la Constitution. La Constitution dit on va sortir du communautarisme. Mais il ne s'est rien passé de tel. Et aujourd'hui, on est dans cette contradiction où on veut sortir et en même temps, quelque part, la communauté vous rattrape. Et finalement, le résultat, c'est que les gens, soit ils rentrent dans leur communauté, soit, pour ceux qui en ont les moyens, depuis des mois et des mois, un tas de gens sont partis, et pas n'importe qui. C'est-à-dire les gens qui sont des forces vives du Liban, qui sont en train de le quitter. Et donc, je crois que c'est vraiment une situation qui est tout à fait bloquée, avec en plus des gens qui tiennent le pouvoir dans des conditions telles que je ne vois pas comment on peut les déloger. En dernière instance, il y a un rapport de force politico-militaire, je suis désolé, mais c'est une réalité, qui est le Hezbollah, dont je parlais tout à l'heure. Et le Hezbollah est en capacité de tenir tout ça. Donc, je ne vois vraiment pas comment... En tout cas, dans les temps qui viennent, plus tard peut-être, mais dans les temps qui viennent, les Libanais eux-mêmes sont totalement découragés. En plus, comme vous le savez, ils sont complètement écrasés par une situation économique, financière et sociale qui est dramatique. On en arrive à faire du Liban, autrefois malgré tout assez prospère, on en arrive à faire un pays du tiers-monde pour une grande partie de sa population qui doit être en dessous du seuil de pauvreté aujourd'hui. Donc tout ça fait qu'on est en train de se déliter complètement. Je suis très inquiet pour le Liban dans les années qui viennent. Pas dans 20 ans, mais dans un an, deux ans, trois ans. Oui. Bonsoir. On avait parlé il n'y a pas longtemps avec vous, Ahmed Deb, justement de la place des femmes dans la révolution soudanaise. Ça date un peu. Je remets. Et la dernière question que je vous avais posée, c'était qu'est-ce que vous voyez arriver ? On se souvient de la réponse de Alaa qui a dit qu'il y avait encore beaucoup de choses à changer. À l'aune de tout ce que vous venez de dire, de ce qu'on vient de discuter, qu'est-ce que vous voyez justement, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui ne changera pas, ou qu'est-ce que vous décelez maintenant avec les conditions d'aujourd'hui, avec le Covid qui est passé aussi sur le pays et sur un peu tous les pays du monde arabe, qui a justement peut-être augmenté les formules autoritaires ou qui a aussi eu des impacts économiques très visibles sur les populations et surtout sur les populations déjà fragilisées, comme par exemple les femmes dans certains de ces pays. Alors, je peux pas vraiment... je peux juste parler de la situation actuelle. La situation actuelle, c'est une inflation à 200%. Enfin, la livre soudanaise n'arrête pas d'être dévaluée. Donc, la situation est catastrophique économiquement. Il y a des gens qui n'arrivent pas à manger à leur faim. Donc, ça, même dans des classes sociales qui habituellement étaient plutôt préservées. Donc, les classes moyennes sont très très touchées par cette crise économique. Donc, il y a un pourrissement de la situation économique qui est sans doute aussi voulu par les militaires
pour pouvoir ensuite se présenter en sauveur et de nouveau reprendre le pouvoir. Donc il y a cette éventualité. Effectivement, ces derniers temps, Hemiti, qui est le chef des milices janjaouides, qui ont commis beaucoup de crimes, notamment au Darfour, a même dit dans des allocutions publiques qu'il voulait être le prochain président du Soudan. Donc il commence à annoncer la couleur. Mais de nouveau, des révoltes, les Soudanais sont redescendus dans la rue. Donc là, on est encore dans une situation extrêmement tendue et de mobilisation et de lutte. La situation pour les femmes s'est beaucoup dégradée parce que les anciens religieux du régime se sont manifestés, notamment en agressant volontairement des femmes dans la rue massivement. Là, c'était pendant la période entre le mois de février et le mois de mai. Beaucoup d'agressions dans la rue pour obliger les femmes à quitter l'espace public et à ne pas se déplacer librement. Donc elles se sont organisées, notamment à Khartoum. Il y a eu au mois d'avril une manifestation de femmes, des centaines de femmes qui ont rédigé un manifeste qu'elles ont remis au ministère de la Justice et elles ont marché par centaines dans les rues de Khartoum. Donc c'était quelque chose d'assez inédit. Et donc beaucoup de mouvements féministes et de collectifs qui s'organisent. Mais la situation, oui, elle est très fragile, très compliquée. Et donc, on ne sait pas du tout quelle va être l'issue. Mais les gens sont déterminés. Ils sont très nombreux. Je dirais même qu'ils sont majoritaires. Maintenant, ils n'ont pas du tout les moyens des ennemis qu'ils ont en face d'eux. Donc il y a comme ça une tension qui est voulue, qui est entretenue à la fois par les militaires, comme en Égypte, qui payent des voyous pour agresser les gens, agresser les femmes, et les anciens religieux qui essayent d'empêcher, par exemple, l'organisation dans les quartiers des workshops, où il y a une... Parce qu'en fait, ce qui se passe actuellement au Soudan depuis la révolution, donc depuis 2 ans, c'est une liberté d'expression et des espaces de liberté, une reconquête des espaces publics par la jeunesse, avec des collectifs qui s'organisent dans les quartiers et des choses qui se font au quotidien, en fait. Workshops artistiques, rencontres, discussions, ouverture de maisons de jeunes, de maisons de solidarité, des associations qui se créent, et beaucoup de manifestations, et de manifestations notamment pour que justice soit faite. Par exemple, la pression qui est mise pour que certains militaires qui ont été identifiés comme les assassins d'un jeune soit jugé. Donc il y a eu des premières victoires. Par exemple, il y a un jeune qui a été écrasé par un militaire avec un pick-up le jour du 3 juin. Là, ça n'a été filmé. Il y avait des témoins. Et donc ce militaire a été présenté devant la justice et il a été condamné. Là, il n'y a même pas un mois. Donc avec chaque fois qu'il y a où les gens sont présentés devant le tribunal, il y a des manifestations devant le tribunal pour ne pas lâcher la pression. Récemment, les mères des martyrs du 3 juin se sont réunies le 29e jour du Ramadan, donc au mois de mai, sur le lieu du massacre, et des milliers de personnes sont venues pour les soutenir, et ils ont publiquement accusé Hemiti d'être le commanditaire du massacre. Ensuite, évidemment, l'armée est intervenue, a tiré, il y a eu des morts, donc ça c'est très très récent, mais pour vous dire que c'est une lutte permanente de chaque instant et qu'on ne connaît pas l'issue de ce qui va se passer au Soudan. Normalement, des élections doivent être organisées en 2022, donc c'est la grande inconnue. Merci de vos témoignages, de vos analyses. C'était une rencontre assez riche. Je vous rappelle que ce rendez-vous était organisé en partenariat avec l'IREMO, avec le Collège de France et l'AFP, que le prochain rendez-vous, donc nous terminons la saison, le prochain rendez-vous aura lieu le 30 septembre, donc le dernier jeudi du mois. Donc nous reprenons un nouveau cycle en septembre en espérant que les conditions des rencontres en présentiel seront toujours remplies. Et je voudrais remercier Marie Descourtieux qui signe aujourd'hui son dernier événement à l'Institut du monde arabe, puisqu'elle part vers de nouvelles aventures et qu'elle a été une cheville ouvrière de tous ces programmes. Donc merci Marie. Bonne soirée et bel été.